Ok. Alors, Outer Wilds. La suite. La dernière fois, j'avais noté un petit peu les trucs que je voulais faire, pas forcément dans un ordre précis, mais du coup, j'ai noté la station solaire depuis Sablière Noire, qu'on peut y aller, même si ça a l'air bouché. C'est le téléporteur, la distorsion de trou noir là, qui marche pas. Donc, il faudra trouver comment faire. L'intrus, ça, on peut le faire dès là. On va pouvoir le faire, je pense. On va tenter de se poser sur l'intrus pour en savoir plus. Donc, c'est la comète. Hein. Après, il y a Léviat, que je pense que je vais essayer de passer pas mal de temps à chercher comment aller au centre de la planète, en son centre. Après, il y a Gravité, qu'il y a la salle où on sait toujours pas comment y aller. Et que peut-être qu'on trouvera jamais. Sablière Noire, il y a le générateur à retourner voir. Et ça, je crois que c'est plus vers la fin, j'imagine. Je pense que ça doit être plus vers la fin d'une boucle qu'on peut y aller. Parce qu'il faut que le sable. Ah non, je peux peut-être y aller. Non, c'est avec les téléporteurs. Donc il y a du sablier noir à aller. Deux fois. Son bronze. Réussir à éviter les poissons. Et retirer les. Ah, peut-être retourner sur sablier rouge pour voir les infos de chat. Si c'est des infos de chat, pour le truc du poisson. Comprendre un peu mieux ce qui s'y passe avec le squelette. Peut-être que j'avais mal lu quelque chose, je sais pas. Donc, y retourner sur Sablière Rouge pour voir le squelette. Voilà. Mais d'abord, on va aller sur l'intrus. Parce que je pense que c'est pas trop dur. À part que c'est galère quand même à s'y poser, mais c'est pas le plus dur quand même se réveiller. Allez, let's go. Alors, où est l'intrus? Pas un truc pour la carte? Voilà, tab. Ok, l'intrus. Fermez la carte. Ok. Ça, c'est sympa. Pilotage automatique. On va tenter.
Ok. Ça glisse. Ah, c'est en train de fondre pendant que on se rapproche du soleil. On passe à côté de la station solaire. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie que je viens de voir là. Ok. Voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Et nous restons trop longtemps à la surface. La navette pourrait complètement geler. Mais si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge? Si, mais ça rendra l'exploration de la comète beaucoup plus difficile. Tant que personne n'aura rappelé la navette, nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Et si l'une d'entre nous restait à bord de la navette pour continuer de faire chauffer les moteurs et surveiller la surface? Je pense que c'est une bonne idée. Clary, si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici, Poc et moi allons explorer la surface. Ok. Donc la navette que je récupère. Comment on monte du coup? On peut pas. Vu qu'elle est glacée. Mais donc du coup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Donc la nav... C'est ça que je récupère avec le canon gravitationnel. Mais même l'intrus, il m'intrigue. Je me dis, je vais y passer encore toute mon après-midi sur juste l'intrus, quoi. Là, on va se rapprocher du soleil, du coup. Ok, c'est tout glacé. On va reprendre un petit peu d'oxygène. Et de carburant.
Attends, il faut que je regarde ça. En vrai, on passe sur à côté de pas mal de planètes. Et le trou blanc là. Ok, là on est hyper loin. Je pense que je vais rester sur, sur l'intrus tout le cycle. Faut que j'observe sa trajectoire. J'ai l'impression que l'intrus passe un peu à côté de toutes les planètes. Et c'est surtout que j'ai vu qu'il passait à côté de la station solaire. Il y a moyen. Et quasiment au même, à la même vitesse, quoi. On se rapproche de gravité. On y est quand même assez loin de gravité en fait. Il y a ce truc aussi. Ça serait pas la limite qui définit la limite du... La supernova. Là, on se rapproche de Hâtre Bois. Les effets de lumière, ils sont quand même pas mal.
Ok. C'est facile d'en décoller de ce truc. Ok. Ok. Où est le sable?
Une cité suspendue qui viennent nous rendre visite. Le projet Sablière Noire, situé sur l'équateur. Je me suis perdu sur Sablière Rouge, mais remerciement à Rami de m'avoir trouvé. Mais le laboratoire de haute énergie, c'est le bâtiment avec le grand panneau solaire. Je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. J'imagine que notre cher Conneuil, par ailleurs, d'une intelligence remarquable, aurait déjà perdu sa propre tête si cela lui était automatiquement possible. Ok. Du coup, je l'ai passé, c'est ça. Ah ouais. Aïe! Il n'y a plus de sable, par contre. Comment j'y suis entré? Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? La tablette de sablière noire est sur Atrebois. Atrebois. Donc. Je vais chercher cette tablette et de rouge que je veux en vrai.
Elle est sur la station du trou blanc. Donc, direction gravité. Ah, c'est là. Ouf. Mais bordel de... Non. Je peux conduire. J'ai pas pris la tablette.
un abruti. Non mais la tablette elle est là en fait, je crois. Ah non, elle est... On va se réparer, c'est pas grave. On va recommencer, c'est pas grave. Pas comme si nos jours étaient... Notre temps était compté. Pouah, puis je refais la même. Récupérer la tablette. Bon, allez, vas-y.
Ouais, mais ça, c'est... Ah si, c'est là. J'avais ouvert? Ah oui, mais non, c'est ouvert que la première fois, c'est ça? Et oui. C'est ouvert que pour sortir. C'est bloqué. On va aller sur... Non, 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 pas comme ça. Bon. Mauvaise run. Sablière noire. Merci. C'était très courageux de m'en informer. Merci pour le follow. Super. Mais bordel de...
Boum. Désolé pour le flow mode, c'est pour éviter le spoil. Le spoil. On va peut-être allumer la lumière, voilà. Je veux juste la tablette. Où est-ce qu'elle était? Pourquoi il n'y a pas de sprint dans ce jeu? Sablière noire. Mes remerciements pour cette dernière livraison et Oeno, ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera là notre dernier contrôle de sécurité. Voilà, d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires? J'entends par là les miens. Pour cette inspection finale, si plus rien ne me retient ici, je serai ravi de vous aider. Nous te re serions reconnaissants de l'aide apportée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Dis pas comment on y rentre. Ça dit pas comment on y rentre. Je sais plus comment j'avais fait pour pour entrer dedans. Merde. Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la sablière noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle à l'intérieur du noyau de la sablière noire. S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti Coléus. Comment ferait-il pour s'améliorer sans ça? Je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'Atrebois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer. Ok. On est un peu les descendants, les fameux créatures qui ont évolué.
Hop, je m'en suis sorti. Ok. Bon, j'ai le truc de sablière noire, mais comment on y va? Si, je sais comment on y va, mais... Pardon. Alors, le soleil. Le jeu de gravité est tellement impressionnant aussi. On retrouve bien le système de gravité des planètes et des étoiles, etc. Comme dans la vraie vie, quoi. Utiliser les planètes et tout pour utiliser moins de carburant. J'étais hyper loin en disant la gravité du soleil. Encore beaucoup de sable, ça va. Se poser sur un endroit stable.
Oh, la truc. Je pense que j'irai sur Léviat si vraiment. Aïe! Et comment j'ai fait? Ça s'est cassé. Il y a un truc pour arriver en dessous. Ok, c'est pas comme les autres trucs. Non, c'était l'autre côté que je voulais. Mais bordel de... Il y en a un très secrète. Ou alors, il faut arriver par le... Ah bah voilà.
Attendre que ça passe déjà. Reviens. Te mettre sur pause. Allez, 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 allez. Hop là. Bon. J'ai essayé de passer par les cactus et je crois que j'étais bloqué après. Moi que j'étais mort, j'en sais rien. Je sais plus. On va retenter. On va devoir attendre un petit peu parce que là il y a tout le sable là.
On n'a qu'à dire qu'il va bien se mettre, le vaisseau. L'avantage, c'est qu'on voit bien Sablière Rouge. Je pense qu'on ira sur Sablière Rouge après. Pour essayer de retourner voir le squelette du poisson là. Fleurs, j'ai jamais fait gaffe. Mine des Nomaïs, ça on l'avait vu. Ok. Forge du trou noir, c'est vrai que j'avais été mais j'avais pas consulté le... Le point d'alignement d'un tour de distorsion n'est pas son récepteur. De distorsion en réalité, une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant. Le récepteur de distorsion doit être situé sur le corps astral en question ou en orbite. Les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Toutes les tours de distorsion étaient construites sur la sablière noire, tandis que les six récepteurs de distorsion étaient conçus dans les endroits différents. Une nommée POC réussit à forger un générateur de distorsion avancé pour le projet sablière noire. Oh, je me rappelle pas de ça. Diagramme de l'angle d'alignement. Un diagramme montrant l'angle d'alignement entre une tour de distorsion et son corps astral correspondant. Les angles d'alignement des tours de distorsion ne sont pas exacts. Il suffit qu'ils soient compris dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Il en résulte des créneaux de distorsion légèrement plus longs qui dure plusieurs secondes environ. Toute personne montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. D'accord. J'ai pas compris. Il en résulte des créneaux de distorsion légèrement plus longs qui durent plusieurs secondes environ. Toujours. Toute personne montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. Ok. Tour de la sablière noire.
Plusieurs tournomaillies imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sablière Noire. La station du Trou Blanc servit de modèle pour ces tours, construites dans le cadre du projet Sablière Noire. Les Noémaïs débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. Les Noémaïs construisirent une structure appelée la station solaire, mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. Cité obscure. La cité Noémaïs, nichée au creux des parois d'une immense caverne souterraine, la cité est construite selon une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Les Noémaïs débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. De nombreux Noémaïs s'opposèrent à cette idée en avançant qu'un échec pourrait causer la destruction du système solaire. Oui, pourquoi c'est potentiellement ce qui est en train de se passer en boucle. Campement de Shale, ouais. Shale a installé son équipement d'astronomie au pôle nord de la Sablière Rouge. Shale a repéré un nombre anormal élevé de supernovas ces derniers temps. Ouais. Capsule de sauvetage. Fossile de coule. Ah ok. J'ai trouvé une grotte. Ah, c'est peut-être ce que j'aurais peut-être pas besoin d'aller sur Sablière Rouge. J'ai trouvé une grotte abritant un fossile de coélolacanthe. Mais l'entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler. Les Noémaïs apprirent comment échapper aux coélacanthes. Du moins en théorie. En étudiant un fossile de coélacanthe retrouvé sur Sablière Rouge. Les enfants Noémaïs jouaient à un jeu dans la grotte du coélacanthe. Il est possible d'accéder à la grotte du coélacanthe depuis la caverne au guet. L'accès depuis la caverne au guet est difficile à distinguer sauf si l'on donne d'abord une lanterne au coélacanthe. Ah! Ok, j'avais mal compris le truc. Ok. Effectivement. Il faudrait que j'aille sur Sablière Rouge du coup. Retourner voir ce coélacanthe. Échouer sur Cravides et ainsi le long du gouffre et trouver refuge sous la surface. Ouais. Ça, j'aimerais bien y retourner aussi. Ah, il y aurait peut-être un lien alors? Non, le lien c'est ici. Quoi le lien alors? Qu'est-ce qui nous fait cité suspendue? Mais c'est pas là que je veux aller. C'est pas là que je veux aller. Cité obscure, c'est pas là non plus. C'est où que je veux aller? Les plans des tours sur l'équateur de la Sablière Noire. Chaque tour mène à une planète différente. Même si de nombreux Noémaïs ont vite remarqué que le Soleil n'est en fait pas une planète. L'apparence de chaque tour évoque sa destination. L'apparence de chaque tour évoque sa destination. Ces tours permirent aux Noémaïs de voyager rapidement entre la Sablière Noire et les autres lieux essentiels à la réalisation du projet Sablière Noire.
L'anomalie parvint à recréer l'anomalie temporelle observée à la station du trou blanc. Des objets envoyés par distorsion semblaient arriver avant leur départ. L'anomalie découvrirent qu'ils pouvaient augmenter l'intervalle du temps négatif entre l'arrivée et le départ d'un objet en ajoutant de l'énergie en générateur de distorsion. L'anomalie voulait savoir s'il était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif de 22 minutes. Constatèrent qu'ils auraient besoin d'une technologie supérieure pour produire l'énergie nécessaire ainsi que d'un générateur de distorsion avancé capable de gérer une telle quantité d'énergie. Il fut suggéré que le projet serait réalisé sur la sablière noire. Il y a toute l'histoire de la lune quantique, mais ça je m'en bats un peu les reins. Il vous reste des choses à explorer. Bah ouais, je veux bien, mais je suis resté bloqué dedans. Les appareils anomalies créés pour localiser la lune quantique. Les anomalies avancèrent l'hypothèse que la lune quantique pouvait être une forme de mécanique quantique macroscopique. La lune quantique visite un total de 5 lieux. Sixième emplacement. Parfois la lune quantique disparaît, peut-être pour se rendre à un sixième emplacement inconnu. Les anomalies sur gravité constatèrent l'existence, ouais. Les anomalies constatèrent la présence d'un étrange roc errant, visible dans plusieurs grottes du pôle nord de la Sablière Rouge. J'ai trouvé un étrange fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas. Le roc errant fut aperçu pour la première fois dans une grotte située au fond du lit du lac asséché, au nord de Sablière Noire, Rouge. Un anomalie du nom de Coléus disparut mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du lac asséché, au pôle nord de Sablière. Ok, il y a peut-être des trucs à voir là. Une gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ de gravitationnel vertical. J'ai rappelé une navette anomalie de l'intrus. Ah, c'est de là que... D'accord. J'ai découvert une navette anomalie presque complètement encastrée dans la glace. Les anomalies atterrirent sur l'intrus peu après son arrivée dans le système solaire. Les intrus de la navette entendirent les relevés d'énergie étrangement provenant de sous la surface. Sous la surface de l'intrus ? Relever l'énergie sous la surface. Les instruments de la navette entendirent des relevés d'énergie étranges provenant de sous la surface. Deux des anomalies repérèrent une fissure dans la glace sur la face ensoleillée de l'intrus. Ils s'y engagèrent pour voir ce qui s'y trouvait. J'ai failli le faire en plus ça. Faudrait que je recommence.
qu'il est très fort probable que les tours soient là. Ah, mais ça me donne une idée. Oh, très intéressant. Que les tours de sablière soient là. C'est très fort probable que ce soit ici. Ou pas, mais... on va attendre. Ah. Oh. Arbre détecté. D'accord. Sauf que c'est pas celle-là que je voulais. C'est celle avec le soleil. Alors, soit je pars dans la mauvaise direction, soit c'est ok. C'est la mauvaise direction, je crois. Et lequel, celle-là? Bah. Alors, c'est le bon. C'est ici que je veux aller. Et bah trop tard. Je voulais attendre que le sable soit... Ok. Tout ça pour rien. Thank you.
Les escaliers. Ok. Ça monte si vite ici. Oh non. Non, 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 non. Oh. C'est trop tard. Je sais pas où il est le promontoire du truc mûche.
Soyez bienvenue en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et l'avons suivi jusqu'ici, pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. D'accord. Si l'œil nous a appelés, pourquoi ne se dévoile-t-il pas à nous? Pourquoi ne parvenons-nous pas à le localiser? Le signal a-t-il été interrompu? Se pourrait-il que l'œil ne souhaite plus être découvert? L'œil n'a peut-être pas le choix. Il est possible que l'œil ne puisse plus communiquer avec nous. Lui, est-il arrivé quelque chose? L'œil a-t-il cherché à nous contacter ou bien avons-nous entendu le signal par hasard? Peut-être avons-nous été trop loin dans nos interprétations, supposons que le signal ait été émis de manière fortuite. L'œil en serait-il moins important pour autant? Peut-être l'œil voulait-il être découvert. Se pourrait-il qu'il soit doué de conscience? Peut-être nous a-t-il choisi? L'œil entend-il quelque chose de nous? Se pourrait-il qu'il ait besoin de nous? Peut-être ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir lui venir en aide. L'œil est-il naturel ou artificiel? Peut-être a-t-il été construit par quelqu'un? L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-il possible qu'une chose précède son créateur? Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'œil est si ancien. Et du coup, je vais mourir là, c'est ça? Lucatol, bon matin. Bon matin à toi, oui. Moi ça? Je me suis jamais pris en photo. Essayons. On va le coller là. Bonjour toi. C'est moué. Tu as changé angle de la caméra? Non. Ou depuis un moment. Après, avec le live mix que j'avais fait, j'ai peut-être pas remis correctement et j'arrive pas à remettre. Non, c'est juste que là, peut-être pour le jeu,
Je la coupe un peu plus que sur moi, tu vois. J'en ai des trucs sur moi, dis donc. Ah, c'est vrai qu'il y a le jetpack et tout. Ah, si, il y a un truc là. Passer. Comme ça qu'on sort. J'ai cru que j'allais mourir écrasé par le sable qui monte. Parce que le sable là, il monte. Le niveau monte. Au fur et à mesure. Bon, je suis. Il va falloir que je revienne. Parce que, bah, ce pourquoi je suis venu. Bah, j'ai pas réussi à le faire. Mais il y a une entrée là. C'est quoi c'est. Ah, ok. Il y a une entrée au niveau du canon gravitationnel. Aïe. Plus de carburant. Faut que je retourne à la fusée. En train de prendre le jetpack, je le fais à l'oxygène donc je vais manquer d'oxygène pour Est-ce qu'il y a un endroit pour que je puisse remonter à la fusée? Peut-être là. Yes. Bon. Bon. Je sais pas combien de temps il reste. Plus beaucoup, je pense. Ouais, vraiment plus beaucoup, je pense. Clairement plus beaucoup, vu que... Si, c'est bon. Encore du sable. Puzzle est là. Posez, j'ai dit. Posez, posez, posez. Voilà. Tentons l'impossible. Il s'est passé du temps depuis notre dernière conversation, Pi. Avez-vous avancé sur le plan de la station solaire? Ok, on s'en bat les reins. On a déjà lu à un moment donné. Alors, le but du jeu, c'est pas mourir. Par des cactus.
Voilà. Yes. J'ai réussi. Ça, c'est ouvert. Je sens que je vais mourir avant. Ah non, mais je crois que ça marchait pas. Crois qu'il marchait pas celui-là. Ah, ça va être la fin avant. La musique de fin. Je vais pas réussir. Faut que je le fasse dès le début, ça, je pense. Faut que je le fasse dès le début. La station solaire, elle est plus là. Ça sert plus à rien, en fait. Ah, mais c'est ça! La station solaire. C'est la station solaire qui fait exploser le soleil au final. Parce qu'elle est. Là, je. Là, elle est plus là en fait. Tu vois une supernova aux premières loges? Voilà. Bon, retentons Sablière Rouge. J'ai peut-être compris des trucs sur le jeu aussi. Faudra vraiment que je fasse un résumé de tout ce que je pense du jeu. Quoi que j'ai une vidéo, je crois, à regarder. Enfin, il y a un collègue qui m'a dit je te passerai une vidéo à regarder aussi pour. Et je verrai si c'est bien ce que je pense. Salut Mitch. Allez, on speedrun. Via rouge. Alors la station solaire, c'est ce qu'on voit là juste au niveau de mon pointeur et c'est là où je veux aller. Sauf que bah le soleil avait grossi. Je pense que ça l'avait gobé. Enfin, le soleil l'avait gobé. Je reviens tout à l'heure. Pas de soucis, Mitch. À tout à l'heure. Alors, on a appris qu'il y avait un petite entrée à côté du canon gravitationnel. Ouais, je la vois. Hop là. Eh ben, on va l'utiliser. Je suis posé juste à côté.
Hop, 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 hop. Et hop là. Raccourci. Par contre, ouais. Ah, des photos, hein. J'ai pas envie de me prendre une zone fantôme. C'était peut-être pas la meilleure entrée en fait. Quoique. Quoique. Coup de vent, ça décoiffe. Hop. Ok. Secteur du guet, c'est ça. C'est là qu'on va. Laboratoire de hautes énergies. Ouais, c'est pas là qu'on va. Ok. Oups. C'est pas ça que je veux aller, mais... C'est où? En vrai, je sais pas où il faut aller. Donc je vais avoir... Je vais pas trouver et que je vais encore être resté bloqué. On se retrouve à la grotte... Passer dans le trou du promontoire Lofiform. Mais c'est ça que je cherche, mais je sais pas où c'est. Je vais reprendre de l'oxygène, surtout. Ah! Plus de carbu. Aïe!
Où est le promontoire de l'Ophiforme? Ou peut-être là? Non. On joue au jeu du Colcante ce soir. Je vais donner une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne au guet, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte du Colcante à travers. Ma gratitude solennelle, une chance que tu sois assez petit pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire Lophiforme. Moi aussi, je peux encore le faire. Plus pour très longtemps, papa et maman sont grands, donc nous le serons aussi tous les deux. Mais il est où ce promontoire? Parce qu'il faut que je jette une lanterne depuis le promontoire. Comme ça, je trouverai l'entrée. Je sais pas. Caverne au guet, ouais. Bon, je sens que c'est trop tard. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Oh, c'est là et c'est trop tard, je suis sûr. C'est pas là. Vous voulez où? Oh, rien. Peut-être pas ça qu'il fallait faire, mais... Ok, bon en tout cas je pense que c'est mort, mais je sais où il faut aller comme ça. Je pense que je vais me tuer pour... Ouais voilà, je pense que c'est mort. Et là, maintenant qu'il y a la lumière, on va pouvoir aller à la caverne. Sauf que ça sera tout ensablé. Et donc on verra rien. C'est ça l'idée? C'est ça, hein? Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est ici qu'il faut aller, sauf que bah c'est bouché du coup. Et oui. Et c'est super.
Et oui. Du coup, bah... Il n'y a plus qu'à crever, quoi. Ah, j'ai un succès un peu juste. Utiliser les réserves d'oxygène pour... comme carburant. Ça, c'est la... Même dans la vraie vie, c'est la pire mort, ça, je pense. Mourir asphyxié. Si tu te rends compte de ta mort. Je pense que c'est l'une des pires, ça. Ça, comme la noyade, ou... Enfin, la noyade dans le sens où t'arrives plus à remonter à la surface, tu vois. Avec une intoxication au CO2, au moins tu t'endors. Ouais, voilà, c'est ce genre de truc. Après... Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Au fait, j'ai essayé de jouer au premier jeu de la série The des Witcher. Le jeu est tellement vieux RPG que j'ai eu du mal à starter le jeu. J'ai abandonné. Ouais, je pense que... Ouais, ça m'étonne pas. Un jour, je pense qu'ils feront un remake. Vu qu'ils font la série et tout, ce genre de jeu. C'est qui a édité ce jeu, The Witcher? Pense qu'il faut commencer aux deux. Hein. Bon, du coup, on sait. On sait comment on fait, comment faire. On sait où est le promontoire. C'est Red Project. Ok, je connais pas. J'ai pas mis la combi. Ouais, mais ça m'étonne pas. Déjà, c'est... On est dans une époque où il... Où ça remaster tout, alors ça m'étonnerait pas, tu vois. Et même dev que Cyberpunk, oula, on est mal barré. Bon, ils ont eu assez de sous avec Bref. Non, je pense pas, ouais. Ça m'étonnerait, je pense. Les Witchers sont super bien. Oui, bah oui. C'est pour ça que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, on va prendre la même technique. On va se mettre au canon gravitationnel. Et on va prendre la petite entrée. Cachée qui va bien plus vite. Malgré ce qu'on pourrait croire, j'ai pas pris trop de dégâts sur le vaisseau. Ok. Sortir l'appareil photo. Ok. Je pense qu'on n'en aura pas besoin en fait. Bon, il faut allumer le promontoire en premier. Ça sera beaucoup plus pratique. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. La porte est là. Ah, j'ai cassé le... cassé l'écriteau. Heureusement qu'on sait que c'est ça, c'est là.
En plus, on est direct dessus. Oh, en plein dedans. Allez! Maintenant, on va voir la lumière pour y aller. Parce qu'il faut que j'étudie ces poissons. Ouais, secteur du guet, c'est ça. Parce qu'il y en a dans le... Allez, à Lévi... À Sombronce, et ils me font barrage. Ils bouffent mon vaisseau. Donc il faut que je comprenne comment c'est fait. Ah mais le guetteur, il me dit direct où c'est en fait. C'est juste au-dessus. En fait, c'était au-dessus depuis le début. Ce qui... C'est qui le colacante ce coup-ci? Changement de règle. Le colacante doit maintenant avoir les yeux bandés et interdit de tricher. Pourquoi on change les règles? C'est trop dur si on ne voit rien. Tante Pi dit que les vrais colacantes sont aveugles. Alors on doit avoir les yeux bandés. C'est comme ça. Modification de la règle. Le plus petit... Les plus petits ont le droit de ne pas porter le bandeau. Les autres le porteront par rigueur scientifique et pour que la partie soit plus équilibrée. Les autres, les poissons, s'alignent contre le mur. Quand le colacante dit « partez », les poissons doivent se faufiler de l'autre côté. Ceux qui se font attraper par le colacante sont dévorés. Le dernier poisson à être attrapé devient le nouveau colacante. L'ancien colacante, lui, donne son bandeau et devient poisson. D'accord. Oh ! Une entrée là-bas. Donc tu vois que je me fais bouffer par ce genre de truc sur son bronze. C'est quoi ça? Étude du colacante. Oh, intéressant, c'est ce que je veux. À en juger par son apparence, ce spécimen semble être de la même espèce que le colacante de son bronze. Nous ne pensons pas qu'il soit originaire de cette planète. Le système digestif de ce colacante indique qu'il est mort de faim. Mise à jour. Mélorae, pendant que je faisais des croquis du colacante, je me suis aperçu que les enfants de tout à l'heure étaient revenus s'amuser ici. Ils ont ajouté à leur jeu une règle qui tient compte de notre travail de recherche. C'est formidable. J'en suis absolument enchanté. Il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la biologie. La longue excroissance partant de sa tête est bioluminescence. Sente, peut-être lui servait-elle à attirer ses proies. Un appât? C'est quoi ici? D'accord. «
Est-ce que ça va m'aider? J'en sais rien. Bon. On a vu ce qu'on voulait voir sur... Elle est par là, la fusée. Sur Sablière Rouge. Allez, là, la fusée. Maintenant, allons sur Sablière Noire. Du carburant avant que j'oublie. Disons qu'on est bien, même si c'est pas vrai. J'espère que j'ai pas perdu trop de temps. Ok, bon bah on va y aller direct. Alors ça, je peux dire que je l'ai fait du coup sur mon papier. Voilà, ça c'est fait. T'écris plus, toi. Mais oh. Faut que j'écrive un truc en plus, par contre. Dans les tâches à faire. Intrus. Ah oui, non, l'intrus, j'avais déjà écrit. J'ai juste écrit un truc, par contre. Aller dans le gouffre. Voilà. Nouvelle boucle. Est-ce que je vais mourir par les cactus ou par une supernova ou tout autre... Enfin, est-ce que je vais tenir les 22 minutes? Vais-je mourir par les cactus en essayant d'aller encore dans cette tour de infernale? Ah, ça y est, le sable commence seulement maintenant à descendre. Hop là. Et de pas mourir dans les 22 minutes?
C'est plus simple ou plus compliqué que ça. Grosso modo, le jeu est bien fait. Très bien fait. En gros, on s'aperçoit très vite dans le jeu qu'en fait, en fait, quand tu... Le jeu tourne en... Enfin, t'as une boucle, t'es dans une boucle temporelle de 22 minutes. En gros, au bout de 22 minutes, t'as le soleil qui explose en supernova. Au fur et à mesure du jeu, tu apprends pourquoi. Moi, je sais pourquoi maintenant. Et c'est pour ça que je veux aller à certains endroits pour essayer de voir pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, mais je sais pas ce qu'il a. Enfin, comment est-ce que je peux l'arrêter? Est-ce que. En fait, tu as des petites écritures, comme tu vois, avec les cercles que je traduis, des ancêtres qui sont arrivés sur le système parce que nous, on est sûrement leur descendance, ou des créatures qui ont évolué dans le temps plus tard. Et en gros, tu apprends qu'il y a soit. Soit ils étaient très scientifiques et tout ça, et ils disent que soit la boucle temporelle, c'est que le projet fonctionne et du coup ils ont réussi à faire ce qu'ils veulent, soit il y a un problème et du coup la boucle c'est pour justement permettre de réparer ça. Alors moi je pense que c'est plus cette hypothèse-là. Et du coup, j'essaye de voir comment je peux arrêter la boucle, quoi. Mais après, t'as beaucoup d'éléments dans le jeu que tu découvres petit à petit et qui me font penser des choses, mais je veux pas trop en parler et je préfère en être sûr. Mais l'histoire de l'œil et tout. Enfin, je sens qu'en fait que le jeu va casser le quatrième mur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Je sens que ce jeu, c'est le genre de jeu que une fois que tu l'as fini, ça te casse le enfin c'est ce que on c'est ce qui ce qu'on dit, c'est le ça casse le quatrième mur. Et il y a beaucoup de trucs qui le font penser quoi. Surtout que tous ceux qui c'est pour ça que je mets le mode le stream en follow mode de un jour quand je stream sur ce jeu parce que c'est pour pas être spoil parce que le moindre spoil en fait ça peut te casser tout le wow du jeu quoi. Et donc tu te retrouves à faire tes trucs pendant 22 minutes tu peux faire tes trucs et en fait ton personnage se rappelle de la boucle précédente et de toutes les boucles avant. Donc du coup c'est là où tu vois que le jeu est très bien fait, parce que du coup, effectivement, moi je joue au jeu, tout ce que j'ai fait avant, je le sais, tu vois, je l'apprends. Donc du coup, c'est inné dans le jeu, tu vois. C'est là où il est super le jeu. Et, bien évidemment, si tu meurs, ça fait pareil. En fait, quelle que soit la mort, si c'est mort par la supernova ou mort par des cactus, comme là je vais avoir sûrement, en fait, j'ai une statue qui m'a regardé au tout début du jeu. Et en fait, je me suis lié à cette statue. Et cette statue, au moment que je meurs, ça envoie un signal sur Sablière Noire. Ça, je l'ai appris, tu vois, plus tard. Ça envoie un signal au centre de la planète de Sablière Noire, la planète sur laquelle je suis d'ailleurs, que j'arrive pas à aller dedans. J'ai réussi à y aller une fois, mais je me rappelle plus comment j'ai fait. Et c'est là où le jeu aussi est très bien, c'est que tu as plein de planètes du système solaire que tu veux essayer de visiter, sauf que c'est toujours très compliqué d'y aller. Et du coup, 22 minutes, c'est court, quoi. Donc c'est un peu la course, tu vois. Et puis il y a le jeu, là où aussi le jeu est bien fait, c'est que tu découvres des trucs qui te disent, ah mais en fait, il faut que j'aille sur l'autre planète pour... Parce que du coup, j'ai peut-être des éléments pour y arriver. En fait, ils mettent des éléments que tu trouves sur d'autres planètes pour aller sur les autres planètes, tu vois. Donc, du coup, c'est des vraies énigmes. Et puis, un truc de. J'arrive plus à dire. Tu prends les petites graines de pin pour suivre un chemin, là. Il est trop bien ce jeu. Et donc là, il y a une station solaire, et en fait, je me suis rendu compte que la station solaire, tu vois, elle disparaît, elle est autour du Soleil,
très très proche. Je l'ai dit tout à l'heure quand Mitch était là. J'essaye d'aller là. Et mon but, c'est d'essayer d'aller là. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je veux aller dans la tour que là je vais aller, là, en fait, t'as un système de téléportation avec des mini trous noirs et trous blancs qui permet de faire une distorsion et te téléporter. Et techniquement, il y en a une pour aller sur la station solaire. Sauf qu'à chaque fois que j'y vais, c'est sur la fin du cycle des 22 minutes. Et du coup, le soleil a grossi et a absorbé la station solaire. Et donc, elle n'y est plus. Donc, du coup, je peux plus me téléporter. Donc, c'est pour ça, là, j'y vais direct dès le début. Pour essayer de me téléporter, vu qu'elle est en orbite. Mais tu vois, normalement, on va la voir passer, la station solaire. Là, le soleil est encore petit, mais il grossit au fur et à mesure. Ah, voilà. C'est ici, là. C'est ici que je veux aller. Je sais pas si t'as vu. Les sablières noires, c'est une planète qui est remplie de sable au début et qui se vide dans sablière rouge. Et sablière rouge, c'est l'inverse. Sablière rouge se remplit de sable de sablière noire. Donc à la fin des 22 minutes, le sablier est écoulé. Par contre, il faut que je retrouve le. Faut se mettre sur l'équateur et toutes les tours de téléportation sont sur Sablière Noire au niveau de l'équateur. Donc on va suivre le. Suivre le sablier. Sur le côté, tu vois où je suis sur la planète, tu vois. Et après, avec le repère du vaisseau, mon parcours et tout. T'as la gravité. Puis aussi un gyroscope, là, je sais pas comment on appelle ça. La gravité est très faible ici. Puis en haut, du coup, t'as l'oxygène, le carburant. D'ailleurs, je pense que je vais reprendre un peu de l'oxygène et de carbu après là. Donc là, il faut que j'attende que le sable diminue sur Sablière Noire parce que la tour elle est enfouie dans le sable. J'espère qu'en fait. Ah, il serait vraiment méchant. Ah non, elle est là. Parfait, c'est cette tour-là. Il y a de l'oxygène ici? Hop là. Peut-être que ça sera plus facile à passer avec moins de sable. Oh. Oh. Effectivement, un peu plus simple. C'est ça qu'il fallait faire en fait. Alors attends, on va juste ouvrir la porte pour que ce soit plus simple, quand même. Et donc là, c'est le récepteur trou noir et t'as un trou blanc sur l'autre truc. Il faut être dans l'axe. Il faut être dans l'axe de la station solaire et normalement ça me téléportera. Donc voici Léviat, une planète de type Jupiter. Ah, oh! Oh, 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 oh! Non! Allez! Oui! Oui! Sur la station solaire. Il y a 6 minutes et 35 minutes, 35 secondes. Augmentation de l'activité solaire détectée. L'intégrité de la coque de la station solaire approche du seuil critique. Fermeture des issues de secours. Oh!
Non, non, non. Je bouge pas. Non. Soleil, s'il te plaît. Musique qui change. C'est cuit. Et là, tu vois, ça rembobine et j'ai tous les souvenirs qui arrivent. Et voilà. C'est le début du jeu. Bah, c'est pas grave, on sait comment faire maintenant. On sait que ça marche. On sait que c'est la bonne solution. Et voilà. On va éviter de se mettre dans le... Tac. On va attendre un petit peu. J'y étais presque. En tout cas, passer avec beaucoup de sable pour les cactus là, ça c'est cool. Ça facilite pas mal.
va se décaler, on va laisser passer le torrent de sable. Ah ok. Je vais prendre un peu d'oxygène. Quoi là-haut là? Ah sûrement le trou blanc. Elle est là. J'ai l'impression que le sable est descendu un peu trop bas par contre. Ah non, pile poil. Quoique. Non! J'arrive pas à savoir où aller. J'arrive pas à localiser la tour correctement sur la planète. J'ai pas le temps de voir en plus sur la carte de la planète. Je crois que je vais rester en orbite.
C'est là. C'est juste là. J'ai perdu. C'est où? Là. C'est là. Bon, plus qu'à attendre que ça descende un peu du coup. Après, il y a ce truc-là aussi que je veux aller. L'intrus, ça s'appelle. Ça glitch. Peut pas s'accroupir. D'ailleurs, tout à l'heure, au moment de la téléportation, j'ai cru que ça allait pas se téléporter parce que j'avais l'impression d'avoir été d'avoir dépassé l'axe. Mission, la science nous contraint à faire exploser l'étoile. Pourrions-nous changer ça? Travailler avec un ordre de mission aussi morbide sous les yeux ne me réjouit guère. La musique est forte. Et voilà une meilleure mission, déterminer s'il est possible d'amener l'étoile à exploser. Tu n'as aucun sens de l'humour. Mais moi, au moins, j'ai un sens de l'éthique. Je te saurais gré de ne pas partir en supernova avec moi avant que l'étoile ne l'ait fait. Il est tout à fait correct. Pourtant, nous allons créer une supernova au nom du progrès scientifique. Voilà notre mission. Notre mission est de décider si cet endroit, aussi irresponsable soit-il, est de l'ordre du possible.
temps restant avant la destruction de la station solaire par l'étoile en expansion, environ 3 minutes 28 secondes. Temps restant avant la mort de l'étoile, 14 minutes et 58 secondes. Pas la plaque. Elle est là, la plaque. Pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Que s'est-il passé? La station solaire n'a pas tiré. Elle a tiré, Varro, mais ça a échoué. L'étoile a à peine réagi. Il y a bien eu des changements infinitésimaux en surface, mais ils étaient à peine visibles, même au troisième œil. La station solaire ne servira à rien. Elle ne pourra jamais faire exploser l'étoile. Je ne sais pas que faire maintenant, mes amis. Je suppose que nous devrions tous tout reprendre depuis le début, mais je ne sais comment y prendre. Commencez par rentrer tous les deux sur la sablière noire, mon ami. Peut-être qu'une nouvelle tâche nous aidera. Spire a remarqué une comète qui approche de ce système stellaire et que nous souhaiterions voir de plus près. Pi, je souffre pour vous deux. Nous savons tous à quel point vous avez travaillé dur. Je ne peux que vous offrir ma compassion. Comment vas-tu? Qu'en est-il d'Idae? Nous allons bien, Varro, du moins autant que faire se peut, compte tenu des circonstances. Même si nous sommes déçus, je n'approuvais peut-être pas l'explosion de l'étoile, mais je n'ai jamais souhaité que notre appareil échoue. J'espérais en avoir enfin fini avec ce funeste projet. Mais du coup, où est la plaque de... Faut que je trouve la plaque de l'autre, là. De ça, là. Je sais pas où aller. Là, j'ai la plaque de la sablière noire, mais ça veut dire qu'il y a une plaque de... Je vais cramer. C'est-à-dire qu'il y a une plaque liée à ça, quoi. Ils ont parlé d'une comète. Oui, bah c'est là où je voulais aller aussi, de toute façon, donc... L'étoile entre dans la dernière phase de son cycle de vie. Elle approche de l'état géante rouge. Danger, évacuer la station solaire. 1 minute 5. On essaye d'évacuer ou pas? Parce qu'il faut repasser par la zone du vide là. Je comptais peut-être un peu mourir ici, quoi. Je comptais avoir des réponses aussi, surtout. Raté. C'est mort.
Donc c'est bien ça en fait, la station solaire. Se fait absorber par le soleil qui grossit au fur et à mesure. On va aller voir cette comète, effectivement. J'avais voulu y aller, mais j'ai pas réussi à faire ce... J'aurais dû aller plus loin que ce que l'idée que j'avais. Le truc avec la comète, c'est que ce que je veux faire, et c'est sur un laps de temps très court. Je vais te montrer. J'ai vu la comète, elle est là-haut. Ah, c'est l'intrus, ça s'appelle l'intrus. Tu veux l'intrus? Voilà, une... Elle tourne autour du soleil, mais avec un truc un peu chelou, quoi. Et des fois, elle se rapproche du soleil, et à ce moment-là... En fait, c'est tout glacé sur l'intrus, tu vas voir. Et... Tout glacé. Et en fait, quand on se rapproche du soleil, du coup, ça fond. Et il y a... Y a une sorte de crevasse qu'on peut aller. Mais du coup, comme elle repart très vite en dehors de la gravité du soleil, du coup... Il y a une crevasse là au milieu, là. Les deux plaques peuvent potentiellement arrêter ce truc. De quoi? Ouais, faut que je me mette là et attendre que ça fonde, je pense. Contemplons. Le système solaire. Tout cas, ouais, ils ont parlé de l'intrus. En tout cas, et c'est aussi ça le truc, c'est que le... t'as envie d'aller à plein d'endroits, mais à chaque fois, c'est des cul-de-sac. Ah, oh, 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 ça fond. Oh! Matière fantôme détectée. Okay. On s'enferme dans le truc. Mes relevés d'énergie ont gagné en intensité. Maintenant que nous sommes sous la surface, quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part là-dessous.
près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ce ne serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clary, tu nous reçois? Oui, mais plus faiblement. Je crains que nous ne perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Garde les moteurs de la navette allumés. Clary, nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ce relevé d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudentes. Toutes les deux. Ok. Passer dans une zone fantôme sans mourir? Étrange ça. Mais il y a de l'oxygène là. On est loin du soleil? Oui. On s'y éloigne même. Les planètes et tous les astres dans ce jeu, ils ont un effet TARDIS. Plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, raté. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire.
pas ça que je voulais faire. C'était pas ça que je voulais faire. Ok, donc on peut rentrer dedans, mais il n'y a pas grand chose à voir. Tu as l'air d'avoir plusieurs chemins. Ouais, mais il y en a qui sont bouchés par les zones fantômes. Les nuages fantômes. Les nuages fantômes, ça te tue. Tu peux le détecter avec le guetteur, c'est ce que je faisais. Le guetteur, c'est le truc qui prend les photos. Parce que quand tu prends une photo, ils apparaissent les... Le courage ou la lâcheté, ça dépend. Mais non, la lâcheté, tu peux pas traverser avec, du coup. Mais je dirais le courage, la folie aussi. Ouais, je pense. On va essayer. Reviens. T'as vu, le truc est tout petit, mais pourtant la caverne est hyper grande. Je dis, c'est, ils ont des effets tardifs, les planètes et tout. Bah, j'ai réussi à traverser une zone de... Faut se mettre bien au milieu. Et quelle heure? 17h? Je rejouerai ce soir. Voilà. En fait, j'ai l'impression que je suis pas loin de la fin. De pas grand chose. S'il y a une fin. Là, c'est là d'où je viens. Hop.
On l'a déjà traduit. Et après, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Normalement. Ok, on peut pas traverser. Je pensais que j'allais pouvoir traverser suffisamment rapidement pour... Mais non, je peux juste pas y aller. Ok. Noyau rompu. J'ai retrouvé les deux membres disparus de l'équipage de la navette Nomai près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Il reste des choses à explorer ici. Bon, bah on va y retourner, hein. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Voilà. C'est pas là, c'est pas là. La station solaire fut conçue dans le but de changer le soleil en supernova. Les Nomai activèrent la station solaire, mais celle-ci ne produisit aucun effet sur le soleil. Ils en conclurent que la station solaire ne pourrait jamais changer le soleil en supernova. Après l'échec de la station solaire, les Nomai interrompirent leurs recherches pour étudier la comète arrivée depuis peu. Selon un ordinateur Nomai, notre Soleil a atteint la dernière phase de son cycle de vie. Ah, en fait, ça se trouve, ils ont réussi, sauf que ça a mis énormément de temps. Et du coup, tout ce qui se passe, ça s'enclenche maintenant. Parce qu'en fait, les Nomai, c'est la race des un peu les ancêtres. Ceux qui sont arrivés, comme je l'ai dit, au tout début dans le système solaire. Et bah ils ont disparu, quoi, dans le sens où c'est un peu des ancêtres et tout. Et justement, le but de l'exploration spatiale que je fais, c'est de découvrir un peu toute l'histoire des Nomai à travers leurs écrits et le traducteur que j'ai. Et du coup, bah, on a appris tout à l'heure que la station solaire avait quand même a été activée. Ils ont fait leur truc, sauf que ça n'a pas marché. Ça a fait un truc minime, tout petit, minitésimal machin. Et en fait, là, vu que le soleil arrive à sa fin de vie, en soi, ça se trouve, ça fait l'effet qu'ils cherchaient, sauf que bah, c'est trop tard, enfin en gros ils sont déjà tous morts, sauf que ça le fait maintenant, et c'est pour ça qu'il y a cette boucle temporelle qui se passe, parce qu'ils avaient fait tout un système pour que ça reboote toutes les 22 minutes. Alors ça se trouve, en fait, ça a marché. Sauf que bah, c'est pas au bon moment. Il y a que moi qui en est conscient. Enfin, et Gabro, mais lui, il bouge pas de son hamac, donc il fera pas grand chose. Ok. Donc, Léviat. Il faut absolument que je trouve un moyen d'aller sur Léviat. Qu'est-ce qu'il me restait à faire, au fait? Léviat, le centre. L'intrus allait dans le gouffre. Donc ça, c'est fait. Faut que j'y retourne. Station solaire depuis la sablière noire, ça c'est fait. J'ai tous mes stylos, ils marchent pas. Ok. Voilà, celui-là il marche. Ok. Et il marche plus. Tablette. Station solaire.
À trouver. Station solaire. À trouver. C'est pas où aller. Sûrement au centre de Léviat qu'on n'arrive pas à aller. Achetons-lui des crayons. Un carrefour juste à côté en plus, je pourrais peut-être faire ça un jour. Acheter des stylos neufs. En plus, c'est des. Par exemple, celui-là, c'est un stylo que j'ai eu lors d'une formation. C'est que des stylos de formation que je récupère et que je. Ils marchent pas. Forcément, ils prennent du pas cher avec la marque du truc où je fais la formation. La station solaire, c'est fait. Ça, c'est un truc de fait. Le générateur, c'est pas fait. En fait, j'ai fait qu'un seul truc. Et j'ai ajouté deux trucs. J'avance pas, mais je rajoute des trucs. Attends, par contre, je vais tout réécrire dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Intrus. Finir l'explo. Alors, le temps est sur pause quand je suis dans le truc là. Trouver la tablette. La tablette. De la station solaire. Gravité. Oui. L'entrée de la salle. La salle bizarre. La salle impossible. Impossible. Une carte kiwi. Son bronze. Trouver le vaisseau. Le vaisseau. Et on sait qu'en fait, il faut simplement éviter les colacantes. Faut juste les éviter. Faut pas aller vers la lumière. Parce que c'est des appâts. Sablière noire. Et générateur. Ça, je sais pas comment j'ai fait pour y aller, parce que j'y suis allé, mais je me rappelle plus comment y retourner. Je pense que j'ai eu un coup de peau. Génératrateur. Non. Générateur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Léviat. Léviat, ça devient presque Léviat, aller au centre. Sachant qu'il y a un autre truc sur Léviat, c'est la tour du. Il y a une sorte de tour de savoir, enfin de. Il y a une sorte de religion qui s'est créée autour de l'œil. Donc voilà. Bon, j'ai renoté au propre. J'aime bien. Son bronze, réussir à éviter les poissons. J'avais noté ça. Ok, on est bien. Achetons-lui des crayons. Ok, je reviens.